Dieu peut même l'abîmer. Celui que Dieu a élevé, lui ne peut le rabaisser. Je peux le dire, oui, même vous le confirmez. Celui que Dieu n'a pas rabaissé, personne ne peut le rabaisser. David était berger, le plus petit que ses frères, gardien des moutons, mais c'est lui Dieu a choisi. Il était le moins élevé, il était le moins grand, il était le moins éduqué, mais c'est lui Dieu a choisi. Il est le plus diplômé, peut-être pas le plus en vie, ça n'empêche pas de te bénir. Tu n'es peut-être pas le plus grand, tu n'es pas le plus beau, ou peut-être pas le plus diplômé, ça n'empêche pas de te bénir, mon frère. Déjà 35 ans, tu n'as rien réalisé dans la vie. Dans ton quartier, les gens t'appellent la vieilleuse vie. Tu es toujours chez tes parents, tes soeurs sont mariées et elles sont heureuses dans les foyers. Non, ce n'est pas fini pour toi. Hey! Tu n'as rien réalisé dans la vie. Malgré ton âge, tu vis toujours chez tes parents. Tu es diplômé, mais tu n'as eu aucun emploi depuis. Et les gens t'appellent monsieur le raté. Non, ce n'est pas fini, non. Zabono. La vieilleuse vie, tu es diplômé, mais tu n'as eu aucun emploi. Et les gens t'appellent monsieur le rateux. Mon frère, je te dis, ce n'est pas fini. Que tu es dans pas si près la fin. Toi, mon frère, personne ne peut te la siffler. Tant que